allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je devais vous faire un make-up avec la Total Cute de chez Too Faced et en fait je suis tombée sur ce make-up et je suis tombée mais folle de ce make-up, mais vraiment, et j'ai dit il faut absolument que je vous le fasse. Je ne sais pas, j'ai essayé de chercher, je vais réessayer en faisant le montage. Je sais pas si c'est une photo d'Urban Decay ou si c'est une blogueuse, mais voilà, j'en suis tombée folle et j'ai eu envie de vous le refaire. Je parle bien sûr des yeux, hein. Et donc avec la Mondeuse, c'est relativement simple. Bon, comme d'habitude, j'en suis super contente. Donc là, en fait, on va tourner, vous en doutez, hein, autour du fard magnétique et Spectre. Voilà, c'est les deux dont je vais me servir pour ce make-up. Je vous laisse voir ça, j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve juste après. Alors, pour faire ce maquillage tout violet, pailleté, etc., je vais commencer par utiliser ce petit Eye & Brow de chez Armani, pardon. Je l'avais trouvé en solde, je vous l'avais montré, j'étais trop contente de l'avoir trouvé. Donc celui-ci c'est le Plum et en fait je vais m'en servir en base, voilà, tout simplement. Donc je vais le mettre un petit peu partout, mais vraiment légèrement, puisque en fait je veux qu'il me serve comme une base à paupières. Le fait qu'il soit violet, ça va juste intensifier un petit peu la couleur de ce qu'on va mettre dessus. Je le pose tout simplement au doigt. Je remonte assez haut. Voilà, il n'y a pas vraiment besoin qu'on le voit plus que ça, ça ne servirait pas à grand chose avec ce qu'on va faire après. Ensuite, je vais prendre ma Naked 1 et dedans, je vais prendre le fard Buck qui est là, qui est un marron mat que je vais appliquer dans le creux de paupière avec un pinceau assez fluffy, enfin c'est le pinceau de la Naked 3, mais je prends le côté estompeur. Par-dessus, je vais mettre une première base violette avec le fard de chez Urban Decay qui s'appelle Psychedelic Sister. Donc je prends encore une fois avec un pinceau fluffy. Voilà, et je le mets partout où j'ai mis la base. Je viens mettre un petit coup d'estompeur parce que sinon c'est pas le top, hein. Et donc ensuite, je viens humidifier un petit peu, donc je mets du Fix Plus sur ma main. Je prends mon petit pinceau, donc moi j'ai pris mon shading brush de Real Techniques parce que c'est le mieux, je trouve, pour ce genre de fard. Donc je l'humidifie un petit peu et je viens prendre ma Moondust palette et le fard magnétique, voilà, donc le violet, que je viens appliquer pareil partout en fait. Donc je le pose plutôt. Donc ces fards, ils se travaillent quand même mieux au doigt, mais là pour être un peu plus précise, voilà, j'ai choisi un pinceau, mais si vous pouvez, utilisez quand même vos doigts, c'est quand même mieux. Voilà, vous n'hésitez pas à en mettre partout. Ensuite, vous reprenez votre pinceau estompeur, on estompe les bords, bien sûr, sinon ça fait un peu panda. Et après, on viendra fondre avec un fard de transition. Donc ensuite je reprends ma Naked 1 et je viens prendre le fard Naked, voilà, qui est le beige classique de la palette. Je viens prendre un pinceau estompeur, donc là je prends un 217 de chez MAC et je vais venir donc faire ma transition, justement fondre un petit peu sous le sourcil, nettoyer sur les côtés, etc. pour que ça soit plus fondu et plus smoky que cette délimitation assez nette qu'on a en ayant mis que le violet. En coin tout externe, un tout petit peu dans le creux, je vais rajouter du noir avec Creep, voilà. Donc je prends un tout petit pinceau plat, donc celui-là est de chez Sigma, mais n'importe lequel fera l'affaire. Et je viens l'appliquer, voilà, juste dans le creux comme ça, dans le coin interne, externe. Oh, Louise, enfin, dans le coin externe. Hop, je remonte un tout petit peu dans le creux, vraiment pas trop haut. Et encore une fois, je reviens le fondre avec le violet. Le but, c'est pas forcément que le noir se voit, mais c'est de creuser un peu pour essayer de donner une espèce de dimension. Et à l'inverse, dans le coin interne, je vais mettre le fard Virgin. Voilà, donc c'est pareil, précisément en petite touche. Donc je prends un petit pinceau plat de chez Too Faced qui est beaucoup plus dense que le Sigma. Voilà, et je dépose le fard vraiment au coin tout interne.
Et pour terminer, je reviens prendre ma Moondust et le fard Spectre qui est là, qui est le rose pâle. Comme je vous disais dans la présentation, seul il se voit pas énormément. J'avais même dit que limite je me demandais un petit peu ce qu'il fichait là. Et en fait, quand j'ai vu la photo de ce make-up là que je vous refais, j'ai dit waouh. En fait, sur les autres, il les fait ressortir de ouf. Et lui-même ressort beaucoup plus. Et il est juste nickel. Donc pour ça, je vais aussi utiliser le fard humide, mais cette fois-ci sur mon doigt. Donc je l'humidifie un petit peu comme j'ai fait la dernière fois. Je le prends et là je viens le poser mais juste au centre. Jusque dans le creux. Donc pareil, hein, même si c'est le doigt. J'essaye d'être précise et je viens encore une fois fondre sur les bords pour pas que ça fasse trop délimité non plus. Si besoin, je rajoute du violet avec le magnétique, voilà, si on est un petit peu perdu sur les côtés, etc. J'hésite pas à venir en rajouter. Et on va pouvoir passer aux premières étapes du teint. Je vais prendre encore et toujours mon Magic Foundation de chez Charlotte Tilbury. J'adore en ce moment. Enfin, vraiment, j'arrive pas à utiliser autre chose. Je le prends sur mon pinceau Sephora numéro 10. Je vous ai dit 10, c'est pas 10, c'est 45. Le poudre multi-usage. Je vais ensuite prendre ces deux petites choses, donc l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora que je vais mettre sur les cernes. Je vais le laisser prendre un petit peu et pendant ce temps-là, je vais mettre sur les imperfections le correcteur Shiseido, donc qui est stick correcteur. Voilà. Sur les 2-3 petites imperfections que j'ai. Et comme dans mon dernier make-up, je vais prendre une éponge sèche. Donc ça, elle vient de chez Yves Rocher et elle est beaucoup mieux sèche que humide. Et je viens fondre tout ça. Si vous me suivez, vous le savez, j'adore cet anti-cerne Sephora. Mais son seul défaut, c'est qu'il faut le poudrer tout de suite après l'avoir posé. Donc je vais tout de suite le poudrer, même si je vais remettre un petit peu de fard en dessous, mais parce que sinon il rentre complètement dans les plis. Et donc pour ça je prends les prismes de Givenchy, je ne sais pas pourquoi je ne vous l'ai pas montré, de mes poudres préférées. Donc je suis obligée de le poudrer tout de suite. Hein. Si je fais tout le reste de mon teint et que je finis les yeux avant de le poudrer, il va rentrer un petit peu dans les plis chez moi en tous les cas. Je reprends mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard magnétique. Magnétique, je ne le réhumidifie pas, j'ai pas besoin. Et je viens le mettre en ras de cils inférieur. Et avec ce même pinceau, je viens aussi prendre Spectre que je pose par-dessus, mais de façon très légère. C'est juste pour donner un petit coup de lumière et puis rappeler qu'il est là. En muqueuse, je vais quand même mettre quelque chose, mais je vais pas mettre du noir. Je vais mettre ce petit col de chez Laura Mercier, enfin petit, pas petit, qui s'appelle Vino et qui est un violine. Voilà, que je vais mettre dans les muqueuses inférieures et supérieures. Ensuite, on va pouvoir passer au mascara. Et comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. En ce moment, vous le savez, je suis folle amoureuse de lui. C'est le Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Que j'ai presque fini d'ailleurs, soyez en passant. Donc ça veut dire si je l'ai beaucoup utilisé, parce que j'en ai quand même pas mal les mascaras. Et c'est vrai que depuis que je l'ai, tous ceux que j'ai eu, même en miniature, etc., mais je les ai même pas encore touchés, je les ai même pas ouverts. Parce que c'est vraiment, pour moi en tous les cas, le meilleur mascara de la Terre, quoi. Une fois qu'on a fini avec les yeux, je vais pouvoir passer aux sourcils. Et donc là, je vais reprendre mon petit cabot de chez Benefit. Et donc, je vais les redessiner vite fait. Pour mon bronzer, je vais utiliser mon petit duo Charlotte Tilbury. Voilà. Je fais ça en 3 juste histoire de réchauffer mon teint. Hein.
Comme blush, je vais prendre ce petit blush de chez Kat Von D qui s'appelle Essex et que j'avais trouvé en solde aux États-Unis. Je crois qu'elle les fait plus, cela. Elle a fait ses nouveaux blushs en fait, mais je l'aime beaucoup. C'est un bois de rose hyper. Faut faire gaffe que les blushs Kat Von D, je sais pas si les nouveaux sont pareils, mais je pense que oui. Ils sont hyper pigmentés. C'est-à-dire que pour se louper, c'est exactement ce qu'il faut prendre, quoi. Mais vraiment. Donc c'est un bois de rose, donc j'aime bien parce que ça reste un petit peu naturel. Et comme j'ai envie d'un highlighter qui se voit un petit peu, il va être parfait. Donc comme highlighter, je vais mettre mon highlighter BK qui s'appelle Rose Gold. Qui est sublime mais qui est quand même assez foncé. Donc je le mets avec un pinceau duo fibre. Et vraiment j'y vais petit à petit parce que sinon il se voit. Quand j'ai un petit peu bronzé cet été, je m'en servais comme blush. Parce que voilà, bon, il était irisé et tout, mais en blush ça le faisait. Donc là il va bien se fondre avec Essex, c'est aussi pour ça que j'ai mis ce blush là. Et sinon la marque est arrivée sur Sephora, enfin. Donc il y a tout, il y a les crèmes, enfin il y a tous les highlighters. Les highlighters crème, les highlighters poudre. Par contre faites attention parce que les highlighters crème s'appellent machin Poured, P-O-U-R-E-D. Ça c'est des crèmes et les poudres ils s'appellent... Pressed, Shimmering Skin Perfector Pressed. Les autres ils appellent Shimmering Skin Perfector Poured. Poured. Par contre pour le nez et l'arc de Cupidon, je vais le faire avec celui de la palette Charlotte Tilbury. Parce que le rose gold sur le nez ça va pas trop le faire. Pour les lèvres, je vais utiliser deux rouges à lèvres de chez Lime Crème. Le Teddy Bear qui est marronné, mauve marronné, que je vais mettre partout. Et pour leur donner un petit peu de volume, je vais prendre Cashmere que je vais mettre juste au centre. Et après avec mon doigt, je viens les mixer en fait. Je termine tout ça en remettant un coup de poudre partout cette fois pour faire tenir, donc toujours avec la Givenchy. Donc là, la Givenchy, j'ai une de vous qui m'a posé la question la dernière fois de si je mettais tout le temps le blush et l'highlighter en particulier sous la poudre. Non pas avec toutes les poudres, avec la Givenchy je peux le faire parce qu'elle est vraiment transparente, donc elle laisse passer la lumière des highlighters. Donc avec elle je peux le faire, je le fais pas avec toutes les poudres et je le fais pas avec tous les highlighters. Là si vous voulez l'highlighter BK il est hyper pigmenté, donc voilà il se voit bien. Et la poudre Givenchy c'est pareil, elle laisse bien passer la lumière, elle est elle-même très lumineuse. Donc je peux le faire, de la mettre vraiment en tout dernier pour faire tenir. Si j'utilise une poudre plus épaisse ou un highlighter moins pigmenté, je mets l'highlighter en dernier. Voilà, vous savez tout. Donc voilà pour ce make-up. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, franchement, le make-up en lui-même est relativement simple. Pour les yeux, c'est un petit peu long à faire parce qu'il faut vraiment voilà, doser etc, mais en soi il est vraiment simple, les étapes sont simples. Vous savez, moi j'essaie toujours de vous faire des make-up que vous pouvez facilement refaire chez vous, que ça soit avec les mêmes palettes ou pas. Là les deux fards en question, franchement vous pouvez trouver des dupes très facilement, même enfin ailleurs que chez Urban Decay et tout ça, parce que c'est un violet irisé, un rose irisé, et vous pouvez très facilement arriver à quelque chose d'approchant sans eux, je pense. Voilà, franchement c'est facilement faisable. J'espère que ça vous a plu, je suis désolée, c'est pas que j'expédie, hein, mais en fait j'ai plus de batterie, ça va couper la caméra, donc je vous fais des gros bisous avant que ça coupe. Je vous retrouve dans 2 jours pour une autre vidéo, promis je vous fais les make-up avec la Total Liquid bientôt, je sais que vous m'avez aussi pas mal demandé de vous les faire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche. Bye bye.